Eh bien bonjour à tous, bienvenue mesdames et messieurs, nous nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, bon là je suis sur le menu pause, hein, mais comme vous pouvez le voir sur Ark Survival Evolve Game. Et écoutez les BG, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite du let's play. Alors, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais qu'est-ce que tu branles dans cet endroit mon gars? Eh bien, vous aurez totalement raison de me demander ça. Oh non. Ah. Ah oui, attaquez-moi, bande de petites mouches de merde là. Vous donnez, ma foi, pas mal de stuff. Et toi, t'as pas intérêt à bouffer mes trucs, toi. Ah, petit enculé là. Toi aussi, tu veux du fight? Et voilà, enculé. Voilà, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais qu'est-ce que tu branles ici, mon gars? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, écoutez. En fait, pour tout vous avouer, les gars. What? Hors caméra, j'étais en train de farmer le tam d'escargot là pour avoir du ciment et tout. Et il faut savoir. Alors, bah attendez, mais j'ai perdu les cadavres. Ah, toi, je t'ai, toi. Parce que attendez, ça donne de la kitine. Voilà, et j'étais en train de les farmer. Et puis, bah, il faut savoir que bah, j'y étais avec mon Argentavis. Et je l'ai totalement paumé, frérot. Je suis parti. Et je sais absolument pas où il est, ce putain d'Argentavis. Du coup, là, les gars, je suis en mission récupération. Enfin, essayer de récupérer mon Argentavis. Alors, attendez, parce que... normalement, en cliquant là, peut-être... Votre... Ouais, non, mais ça, c'était il y a longtemps, tard les temps, ouais. Ouais. Vous voyez, bah, j'étais en train de les farmer. Ok, bon, bah, du coup, normalement, ce que j'allais dire, putain, j'espère qu'il est pas mort. Mais de toute façon, on l'aurait vu. Ah, bah, il est là! Oh, la dinguerie, frérot, j'ai réussi à le retrouver pile. Juste quelques secondes avant que je lance l'épisode. Bah, vous voyez, c'est pas. Enfin, quelques secondes après avoir lancé l'épisode, je l'ai retrouvé. Et bah, hop. Enfin, vous voyez, n'empêche, attendez, je suis en train de me rendre compte, mais mon fusil à pompe, là, mon gars, il fait du dégât. Hein. Alors attendez, parce que je vais pas le reperdre. Oh. Alors, moi j'avais cru voir une merde. J'avais cru voir une mouche de merde, mais non. Ok, bon bah du coup, mon gars, on t'a retrouvé. Tant mieux, parce que fou, un peu chiant. Bah du coup, on va rentrer. Et écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra. Parce que oui, j'ai un peu travaillé hors caméra. J'ai quand même pas mal farmé. Et première chose qu'on peut voir déjà, voilà. J'ai commencé, merde, à faire. J'espère que je tombe pas. Ouf. Voilà, hop. Parce qu'attendez, en fait, je suis obligé de les faire rentrer dans le trou ici parce que. Bah, je vais vous montrer. Vous voyez, bon, ça, je vais laisser ça comme ça. Juste, hop. Toi, on te met là. Hop. Du coup, voilà, j'ai fait le deuxième étage. Bon, c'est pas forcément beau. Il faudra peut-être que je rajoute des trucs pour que ça fasse beau. Du coup, voilà, hop, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté un petit étage ici juste avec la trappe pour mettre les. Petite merde que vous voyez. Par contre, ils sont potentiellement en train de crever de faim. Alors, je vais essayer de les nourrir. Enfin, après, j'ai pas énormément de baies non plus. Hein. Du coup, voilà, je les mets ici pour le plaisir. Je vais les mettre en. Ah ouais, lui, il est en train de crever par contre. Je vais les mettre en promenade parce que je crois que c'est en promenade qui génère leur truc, la bave de machin. Pourquoi lui il est... Ah non, ok, c'était juste qu'il était bugué. Du coup voilà, je les ai mis ici. Bon, petit truc chiant, c'est pour ça que je fais un trou dans le mur. Parce que quand je les porte dans la main, bah, je peux pas monter d'échelle. Voilà, c'est un peu con. Du coup voilà, j'ai fait ça comme vous pouvez voir les gars. J'ai commencé à faire les murs en verre, parce que c'est ce que je voulais. Ça c'est l'argentavis que j'avais tam hors caméra. Je sais pas si je vous l'avais montré. Oh la merde, elle vient de disparaître, je suis dégoûté. Voilà, ça c'est l'Argentavis que j'avais tam. Voilà, il ressemble presque au même que lui, sauf que lui je le trouve plus beau parce que bleu, vert, c'est beau, mais c'est pas ultra beau non plus. Alors que là c'est bleu, blanc, avec un peu de beige. Enfin là, mon gars, il est magnifique. Sauf que lui, les gars, il va pas rester ici. Je vais vous montrer où je vais le mettre. Alors attendez, lui je l'ai jamais remis dans son enclos. Surtout que lui c'est pas un dino qui attaque, du coup il peut se faire tuer assez rapidement. Alors on va éviter. Alors attendez, je vais faire une petite récupération de merde d'un peu tous les dinos là. Pour après faire des engrais parce que j'ai plus d'engrais presque. J'ai entendu chier. Qui a chié là? Toi, donne-moi ton caca, toi. C'est ignoble ce que je fais. Hein. Mais écoutez,
On ramasse la merde de mes dinos. Voilà, du coup, ça c'est fait. Je sais plus ce que je disais. Ouais, non, je sais plus. Oui, lui, bah, celui-là, je vais le faire entrer parce que c'est pas un dino offensif. Il va falloir que je mette la merde ici. Oula, ça a chié en haut. Hein. La racaille. Hop. Hop, hop. On va mettre ça là. Ça, c'est bon. Du coup, oui. Lui, bon, lui, il est plus beau. J'ai commencé à faire ça. Lui, il va pas rester là. Attendez, parce que. Je me coupe à chaque fois, mais il faut que j'aille nourrir mes putains de machins parce que j'ai pas trop envie qu'ils meurent. Surtout qu'ils sont assez loin, du coup ils sont pas nourris automatiquement. Hop. Toi, j'ai vu que tu crevais un peu de faim, mon gars. Voilà, 800 baies. Voilà, 1000. Et voilà, 1000 aussi. Ouais, que ça est déjà en train de farmer la bave. Hein. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est carré, ça, on apprécie ça. Putain, mais. J'arrive pas à tomber. Voilà, je mets la trappe pour pas qu'il descende en bas. Hein. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Oui, putain, je suis désolé, je suis en train de me perdre dans mes explications et tout. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé à faire en haut, je vais vous montrer. Hop. Aussi, ici, j'ai mis en vert. Il faudrait que je mette la porte en vert et tout. Pour qu'on puisse voir nos petits dinos, tout magnifique. Là, on peut les voir. Là, regarde-moi ta petite gueule, toi, je te tabasse. Allez, hop, j'arrive, je vais te tabasser un petit coup. Voilà. Petite patate dans sa grosse gueule, là, cet enfumier, là. C'est enfumé, ça veut rien dire. Du coup, voilà, j'ai mis ça ici. J'ai rajouté ça. Bon, c'est juste un truc de déco. Pas spécialement intéressant. Alors, attendez, hop, vu que je suis ici, je vais faire ça. Voilà. J'ai fait quelques petites ressources que je vous montrerai après. Voilà, j'ai commencé à faire ça ici. Et comme vous pouvez voir, en plus, je me suis pas rendu compte, mais j'ai fait un truc ultra beau. C'est que vu que je remplis les murs, vous voyez qu'on a direct la vision sur notre machine. Je trouve ça magnifique, ça fait un peu Portal pour les personnes qui ont joué au jeu. Vous savez, il y a toujours un petit truc, une petite ville qui vous observe. Et voilà, c'est la même chose presque. Vous pouvez voir qu'il y a un truc aussi qui a été rajouté. Un petit grill que j'ai craft. Bon, le craft n'est pas spécialement coûteux. Ça s'appelle un grill. Ouais, vous voyez, c'est pas spécialement coûteux, ça demande pas énormément de ciment. Le métal, je suis plutôt bien. Voilà, non, c'était pas très coûteux. Et en gros, ça permet de faire cuire la nourriture très très vite. Et je vais vous montrer du coup. Hop. Bon, du coup, vous voyez, d'en haut ça fait beau, mais de beau, ça fait. En haut ça fait beau, mais là, bon, j'avoue que c'est pas ultra beau, mais ça fait stylé quand même. Le grill, alors, parce que j'ai vu que j'avais de la viande, voilà. Vous voyez que ça cuit très vite. C'est bon, j'aime bien, j'aime bien. Du coup, voilà, il y a toujours ça. Est-ce que j'ai farmé un peu de métal, hein, en soi. Hop, je vais récupérer tout ce métal là. C'est bizarre, normalement, je pensais en avoir beaucoup plus. On va mettre la moitié ici, il y en a 4000, c'est énorme 4000. Ici, il y en a combien? Il y en a 2000. 2000, c'est suffisant, je pense. C'est plus pour là, ici, à mon avis. J'en ai combien ici? 3000. Hop. J'en ai gardé 300. Enfin, 500. Parce que j'ai quelque chose à vous montrer après. Alors ça, je vais le mettre ici. Voilà, 1400, c'est bien. Du coup, voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai fait que ça. Il me semble. Et j'ai un peu farmé autre part. Pour les personnes qui ont vu le dernier épisode, je pense que vous vous doutez très bien de ce que j'ai amélioré. Du coup, on va prendre lui. Juste attendez, parce que lui, normalement, il a des ressources encore sur lui. Parce que j'avais été farmé. Ah non, il a que ça. Ah oui, il a que ça lui. Putain, je pensais qu'il en avait vraiment plus. Ah merde, je suis vachement lent. Qu'est-ce que j'ai qui casse les couilles? J'ai tout qui casse les couilles en fait. Bon, allez, on va marcher lentement. Allez, on marche. Du coup, ouais. Je dépose juste. Qu'est-ce que je voulais déposer? Ah oui, le cristal. Quoique le cristal. Putain, lui, malheureusement, il est pas assez. Voilà, hop. On va augmenter un peu le speed, les dégâts et le poids à fond. Voilà. Et on va aller là où je veux. Car j'ai fait quelques petits trucs. Alors j'ai pas encore spécialement avancé non plus, mais j'ai fait quand même quelques petits trucs ici. Voilà, j'ai craft pas mal de petites choses. Comme vous pouvez voir, alors j'ai mis une grosse machine. Voilà, pour qu'on se mette bien, j'ai mis quelques coffres. J'ai mis quelques coffres pour qu'on puisse se vider. Une forge. Je sais même pas ce qu'il y a dans cette forge. Du métal. Ah bah comme quoi.
Voilà, et ici, c'est bien, on est posé. Ah ouais, il y a quoi? Ah putain, mais en fait, j'en avais mis pas mal. Bon, on va mettre ça là-dedans, du coup. Vu que, ouais, là, il doit rien avoir. Hop. Tac, 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 tac. Allez, hop. Du coup, voilà, j'ai mis ça ici pour que... Je sais même pas pourquoi j'ai crafté ça, frère. Voilà, et en gros, j'ai fait que ça, hein, en réel. J'ai pas fait grand-chose non plus. J'ai mis un établi ici pour qu'on puisse craft directement ici... Tout ce qui est utile, hein, en verre et tout. Ça, je l'ai fait parce qu'en fait, je voulais faire un laboratoire. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça là. Surtout que j'aurais pu... Bref! Enfin, frérot, c'est un petit avant-poste. Lui, je vais le laisser là. Parce que ça va être sa place et je vais me barrer. Je vais me barrer, sauf que comment on descend? Ouais, non, normalement, ici, je peux descendre tranquillos. Voilà. On va le laisser ici parce que c'est là que je veux qu'il soit. Comme ça, c'est notre petit dino volant. Qui reste là, qu'on peut utiliser quand on en aura besoin et tout. En réel, je pense construire juste à côté un autre arbre. Enfin, mettre une autre machine. Enfin, une autre plateforme où je vais mettre le dino volant. Où je mettrai peut-être quelques dinos. Je verrai encore. Je sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire ici. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit avant-centre. Une avant-base. Je sais plus comment ça s'appelle. Une avant-base, non? Un avant-centre. Non. Je sais plus. Ça commence par avant. Avant-poste, voilà, c'est un petit avant-poste. Enfin, frérot, j'arrive pas à remonter là en fait, je suis un peu dégoûté. On va prendre notre magnifique pompe en main pour casser la gueule de tous les dinos qui viennent nous faire chier. Parce qu'il faut pas déconner non plus, là, on n'est pas leurs potes ici. Hein. Bah, dès que je vois un dino, je vais le fumer. Qu'il soit gentil ou méchant, je le fume avec mon fusil à pompe. Parce que je suis une racaille, mon gars, je suis une vraie racaille. Juste attendez mon armure. Oh ouais, mon armure, elle est bien. Mystique. Attends, c'est combien de réparations? Ça va, 6. 6 de métal, frérot, ça me consommait plus de 1000 de métal. Ouais, t'avais pas de chance, toi. Hein. Ouais. Et du coup, dans cet épisode, je sais pas vraiment ce qu'on va faire encore, comme d'habitude, frérot. Oh, bien joué. Pas bien joué. Il faut savoir que j'ai aussi fait quand même un autre truc. Oh, toi, mon gars. Bref! Oh, t'es pas mort! Bien joué, mon gars! Allez, on fait un 360. Dommage. Ouais, je vais te tuer en 360, mon gars. Je sais tellement pas quoi faire que je suis obligé de faire n'importe quoi. Dommage, mais je suis vraiment trop nul, frère. Surtout qu'en plus, mes 360, mon gars, avec 20 ping. Allez, on va dire que c'est bien. Ici, là. Hop, on va requérir le miel. Il y a un miel ici, mais malheureusement, je sais pas comment. Je peux pas le casser. Ça fait quoi si je le casse? Mais le truc, c'est que. Je peux pas l'atteindre. Il est trop loin. Enfin, c'est trop chiant à atteindre. J'ai déjà essayé de l'atteindre. Mais en plus, attendez. Il y en a un autre part. Oh, si, j'y arrive. Il a 5000, à mon avis, ça va peut-être être un peu long, hein, à casser, frère. Si je lui tire au fusil à pompe. Ouais, ça va un peu plus vite. Hein. Je sais pas ce que ça fait si je le détruis. C'est quand même un peu lent, hein. Ah, avec ça, peut-être que ça va plus vite. Ça fait rien en fait, je le détruis juste. Ok, je suis dégoûté. J'ai vu qu'il y avait un autre ici, non? Ou c'était le même? Oh non, c'était peut-être le même. Hein. Ok, bon, bah je l'ai détruit pour rien du coup. Ah oui, ça c'est un raptor qui a voulu me casser la gueule. On tente le saut. Aïe. Ça fait mal. Oh la vie que je me suis baisé. Du coup attendez. Ah ouais j'ai plein de miel. Qu'est-ce que je vais faire de ce miel? Bah je vais faire des gâteaux pour continuer à craft notre putain de... bon malheureusement vu qu'il n'y a rien je vais les mettre au congèle. Enfin au frigo pour pas qu'ils pourrissent trop vite parce qu'en 17 minutes ça pourrit. Hein. Ouais, faut faire gaffe avec ça. Hein. Hop on va mettre ça là-dedans. Ça en prend. C'est quoi alors attendez je vais faire un peu un petit tour dans les coffres là. Pour récupérer tout ce que j'ai à récupérer. Genre toutes les viandes pourries. Ouais, il y en a 70 là. Là il doit avoir un petit stock. 52. 100.
y en a là-dedans. Ouais. Ça, hop. Là et hop. Là, bah, je pense pas qu'il y en ait, non. Et là, normalement, il y a un petit stock. Voilà, ça c'est carré. Ici, il doit en avoir un peu, sûrement. Ouais. Et dehors, il doit aussi en avoir un peu. 100. Un peu, c'est quand même énorme. Là, je dois en avoir 500, non? Ouais, 500. Et on va faire des narcotiques avec. Pour faire des flèches. Hop. Tac. Tac. Ah putain, je vais être en manque de narcoberry en fait. Ça va être ça là mon problème. Oh frérot, il y a trop de trucs à farmer. Moi j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Je vais aller chercher la bave de mes petites, de mes petits escargots là. Hop, 50. Ça, moi, bon, c'est pas fou non plus, mais ça se tabasse, ça se tabasse. Il est vraiment beau en bleu, lui. Hein. Je suis. Enfin, il est dégueulasse, c'est un escargot, quoi. Mais il est vraiment beau. Bon, du coup, vas-y, le Simon, on va le mettre là. Parce qu'ici, il n'y en a pas. Ah, si, si, il y en a pas mal. Mais ça, c'est de la bave aussi, ça. Ah non, c'est du Simon. Ok, bon, bon, on s'en bat les couilles. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire là aujourd'hui? Réelle question, j'ai lancé un épisode sans savoir ce que je veux faire. Ah, si, mais attendez, j'ai oublié de vous montrer un autre truc que j'ai fait en plus. Voilà, j'ai fait un petit port. Bon voilà, hein, je sais même pas à quoi ça sert un port. Je sais même pas comment tu le fais. Mais voilà, j'ai fait un petit port comme ça. Voilà, c'est juste à côté de chez nous, c'est beau. Un petit port, tranquillou. Voilà. J'ai pas cherché plus loin que ça, j'ai juste fait ça. Voilà, c'est tout. Et puis bah du coup, voilà, là c'est tout ce que j'ai fait hors caméra. Maintenant, bah écoutez... Réel, je sais absolument pas. Ah, si, j'ai peut-être une idée de ce que je peux faire. Ouais, j'ai une idée de ce que je vais faire. En fait, j'aimerais bien me tam un Quetzal. Un Quetzal ou un Tapajira. Un des deux. Un petit dino volant, là, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de dino volant. Et dans tous les cas, un Quetzal ou un Tapajira peut avoir une selle avec une structure qui nous permettra plus tard de transporter des dinos qui sont plutôt lourds. Du coup, ouais, 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 j'ai envie de me faire ça. On va se prendre ça. On va s'en prendre 6. Le truc, c'est que j'ai très peu de flèches. Je vais me faire des flèches... Ah, putain, excusez-moi, j'ai l'eau, ok, là. Je vais me faire des flèches 1K. Si je trouve des flèches de base, bon, là, il y en a qu'une, c'est un peu nul. Attends, tu vas pas me dire que j'ai jeté toutes mes flèches quand même. Bon après, ah non, il y en a là, hop. Elles sont où mes narcotiques aussi, frère? Je les ai tous utilisés là, j'ai plus de narcotiques. C'est une dinguerie si tu me dis ça là quand même. J'ai vraiment aucune narcotique. Ah. Alors, attendez, ça va peut-être être un peu problématique si j'ai pas de narcotiques. Ici, bon, il y a la 4000, je pense que ça suffit. Quoique, vous avez... ça va vraiment vite. Hein. Non, mais j'ai vraiment pas de narcotiques. Non, mais attendez, mais c'est terrifiant. Mais elles sont passées où, mes narcotiques, frère? J'étais sûr d'en avoir mis dans les coffres. Ah, bon, après, là, il y en a quand même 800. Un cas. Mais en réel, les gars, je me demande. Ça sert vraiment à rien que je me fasse des 1K. Sachant que mes flèches que je balance, vu que j'ai... Vu que mon arme est légendaire, eh bien elle met du 300. Genre en fait c'est clairement plus... C'est clairement mieux que je fasse ça. On est... Attends, j'ai envie de savoir combien elle met de narco par truc. Mais normalement elle met du 300. J'avais testé sur mon argentavis. Bon j'ai... Elle met combien? Elle met du 300 presque. 400. Mais ouais, elle met du 400 presque. Mais non, non, ouais, ouais, je vais garder mes flèches toutes merdiques. Écoutez, eh bien c'est parti, on va partir à la recherche d'un Tapajira ou d'un Quetzal. Un des deux, dans tous les cas, j'en veux un des deux. Alors le problème, c'est que... Est-ce que je peux tirer des flèches? Je peux pas tirer des flèches, ça va être problématique. Alors les Tapajira, normalement, tu peux les trouver ici. Un Tapajira, tu peux les trouver dans ces zones-là. Le truc, c'est que ici, ça va être problématique.
En vrai, ouais. C'est quoi? Je vais le laisser ici, mon machin. Parce que ici, comme je vous l'avais dit, les gars, vous pouvez vous faire sauter dessus par des petites merdes qui vous fait. Oh putain, il faut que je fasse gaffe parce que je vais crever, moi. Enfin, vous pouvez faire sauter dessus par des dinos et puis c'est extrêmement chiant. Du coup, écoutez, je vais rester à pied. Et je vais voir si je vois pas un tapajira qui traîne quelque part. Ou pourquoi pas ce dino qui te saute dessus, hein. Ah, j'ai vu un truc là. C'était un bug? Non, c'est un Ptera malheureusement. Encore un Ptera. Encore un Ptera. Beaucoup de Ptera dans cette zone. Oh la petite merde. Je me fais attaquer là, non? Oh! Putain, dommage, dommage. Bon, malheureusement, je pourrais pas le prendre. Surtout que j'ai rien. Enfin, si, en vrai, j'aurais pu, mais flemme, frère. Je l'oublierai. Oh! J'ai vu un truc qui vole là. Non, c'est encore des Ptera. Oh la dinguerie, frère. Toi, t'es vraiment pas très beau en vrai, hein, malheureusement. Voilà, bon, il y a beaucoup de. Waouh, il y en a masse là. Il y en a une, deux, trois. Waouh. Pas une quatrième? Mais si, quatre. Oh! Alors, en vrai, ici, ça peut être un bon endroit à farm le miel, hein. Après, les gars, je sais que vous pouvez vous-même vous faire votre truc à vous. Mais un peu chiant. N'empêche, c'est beau, mais c'est moche à la fois. C'est bizarre. Arrêtez de vouloir m'endormir, bande de sales cons, là. Je vais manger un peu pour régénérer ma vie. Bon, eux, je vais les tuer parce que, quand même, faut pas déconner, ça donne des. De la chitine. Et la chitine, Dieu sait que c'est chiant. Enfin, c'est pas le problème la chitine, hein, c'est le ciment le problème. Bon, attends, j'ai réellement fait le tour là sans m'en rendre compte? Ouais, mais là aussi il y a de la masse de trucs pour faire du miel. Je sais pas pourquoi il m'attaque pas. Bon, vas-y, en même temps, on farme un peu, hein. En plus, on a déjà vu des Tapajira dans le let's play, mais je crois pas qu'on ait déjà vu un Quetzal. Enfin, Quetzal, je sais pas comment ça se dit, wesh. Je sais pas si on en a déjà vu. Le problème, c'est que je crois que eux, ils sont extrêmement hauts, et ça, c'est problématique parce que. Il faudrait que j'y aille avec un Ptera. Du coup là, là je suis plus sur la recherche. Ou pardon. Là je suis plus sur la recherche d'un Quetzal, d'un Tapajira. Tapajira. Je sais plus comment il s'appelle non plus. Je crois que c'est Tapajira Sou. Enfin pas de Sou. Ouais, j'en sais rien frère. Leur nom il casse la tête. Oh lui il est beau avec ses ailes rouges là en vrai. Ah ouais non. Ok, il y avait que ses ailes qui sont beaux. Non mais regarde-moi la gueule du truc frère. C'est quoi ça? Putain, par contre, sa mère la pute, et on envoie des terrains. 1, 2, 3, là j'en ai vu à gauche. Encore un là. Ça se. Il y en a la blinde. Hein. En réel, je sais pas s'il faudrait que je prenne ma lampe. Enfin, ma. Vas-y, je vais le faire quand même, c'est un peu plus. Oh. Lui il donne du tech. Oh, il est magnifique par contre. Oh, il est vraiment beau. Ça me désole de le tuer. Mais en vrai, je crois que c'est ultra chiant. Bah, mon ref. Baisse ta mère là, mon gars. C'était ma victime. Je t'ai sauvé. Je suis obligé de te tuer. Oh, tu dégoûtes. Aïe. Voilà, parce qu'il y a de la poussière d'éléments, et la poussière d'éléments, je crois que c'est quelque chose d'un peu chiant à farmer. Enfin, je me doute. Pour le moment, on n'en a pas besoin, mais dès qu'on va commencer à faire des éléments,
Je me doute la dinguerie que ça va être. Parce que... Oh putain, ça, ça me casse les couilles. Oh, toi. Vous, ça me fait plaisir que vous venez me tabasser, parce que vous... Ah, que 33. Je suis dégoûté. Oh, venez les gars, venez. Voilà. Oh, laisse ta mère, toi. Voilà, la kétine. Bon, n'empêche, j'aimerais bien voir un petit Tapajira ou un Quetzal, là, un des deux, là, ce serait sympa. Oula, oula, putain. Un Carnot Alpha, 9000 points de vie. J'avoue que lui, je sais même pas. Je pense pas que je puisse me le taper, hein. Oh, on l'avait jamais vu, lui, pour le moment. Je pense pas que je peux me le taper sans Dino. Du coup, on va éviter de se rapprocher de lui. Et on va. On va essayer de trouver, hein. Normalement, il est dans cette zone, le Tapajira. Je sais pas pourquoi j'en vois pas là. Oh, c'est quoi cette merde? Oh, un petit raptor. Ah non, c'est. Il y en a un là aussi. Ah, Tapajira! On a notre cible en vue. Dégage toi. Le problème, putain, c'est que j'ai pas de bolas. J'ai pas pris de bolas, je suis trop con. Il a combien de tanks? En deux flèches, je peux me le tabasser. Mais il faut pas que je rate. Il y a un Carnot là en plus. Putain. Oh l'enculé. Oh l'enculé, il va loin. Hein. Il va vite et loin. Je suis bloqué. Il est à dispawn là. Ouais, il est là, il est là. Il y en a deux ou quoi? Putain, mais j'ai pas de bolas. Je suis vraiment trop con. Bon, vous, vas-y. Mais le truc, c'est que là, je vais le perdre. Hein. Voilà, donnez-moi toute votre kitine, bande de racailles. Le truc, c'est que là, je l'ai perdu, là. Oula, c'est en train de se tabasser vénère. Ah, non, putain. Il est pas là-bas? Non, ça c'est un Carnot. Non, ça c'est pas. C'est un Terra ça. Oh, il y a un Bigfoot. En vrai, je peux me tabasser un Bigfoot. Hein. De souvenir, il est pas très compliqué à avoir. Tu sais quoi, vas-y, on va se tabasser un Bigfoot. Je voulais un Tapajira, mais. Le Tapajira, il m'a dit baisse ta mère, frère. Hop, normalement, il faut le tam comme ça. Ah par contre attends, s'il va vers le Carnot frérot, ça va être compliqué de te choper là. Hein. Attends parce que... Hop. Let's go. Oh non mon gars. Faut que je le sauve. Je l'ai tué. Oh, je suis dégoûté. Frère mais c'est quoi cette dinguerie là? Bon bah... Non! Mais frérot, il y avait 1, 2, 3, 8, 4! Il y avait combien de trucs qui voulaient me tabasser mes grands morts là? C'est quoi ce dinguerie, frère? Hop, on va mettre le gamin. Je suis dégoûté! Wesh! Sa gueule dehors la vénère! Oula, mais c'est quoi ce dinguerie, frérot? Eh, mais il se passe quoi là? Il y a trop de dingueries qui se passent! Bon! Bah, du coup, je suis dégoûté pour mon Bigfoot! Je suis réellement dégoûté, frère. Aïe, ouais, y'a quoi là? Dommage, je suis un peu bugué une fois sur deux quand même. Vas-y, me casse les couilles. Ah, y en a un autre là. Ah non, c'est pas le même. C'est pas le même, ça je crois que c'est le truc à quatre pattes que je dis qui était très moche tout à l'heure, non? Wesh!
Ah non, c'est bien Bigfoot. Faut que je me rapproche doucement parce que je crois qu'ils fuient ou ils veulent te casser la gueule. Ah voilà. Bon, malheureusement, je suis trop lourd pour lui. Bon, ça va être problématique là. Comment ça, je suis trop lourd, frère? C'est pas comme si j'avais des dingueries sur moi non plus. Ah, il a augmenté de level. Putain, je suis si lourd que ça? Je fais 300 kilos, mais c'est vrai ça, pourquoi je fais 300 kilos? Ah ouais, il y a tout ça en fait qui dérange, putain. Ça dégoûte là, parce que comment tu veux que je rentre moi? Bon, il va me suivre, mais... Ouais, j'ai une idée de comment je vais faire. Hop. Pour lui faire gagner des levels. Il gagne pas de level là? Ah si, voilà, hop. Et voilà! Ça déconne plus. Oh, il est extrêmement lent, sa mère. Hop, on va lui jeter ça, ça. Oh là là, par contre, il farme tellement vite les baies. C'est god tier, hein. Bon, il est un peu lent quand même, hein. C'est terrifiant. Hein. Hop hop. On augmente sa vitesse à fond. Ça. Ouais, il est beau aussi le piaf là. Par contre mon gars, il faut arrêter de décoller. Voilà, là il est plutôt rapide. Enfin un peu lent mais lent rapide. Bon du coup le problème c'est que lui je sais pas comment je vais faire pour pouvoir l'amener. Je vais devoir y aller à pied avec lui je pense hein. Rentrer chez moi à pied hein. Bon, passer par la montagne, c'est pas le meilleur bail que j'ai fait de ma vie. Hein. Bon, putain, de base, j'étais censé me tabasser un tapas de girafe, frérot. Je me tape, je reviens avec un. Un Bigfoot, c'est quoi cette dinguerie, frère? Un gagne des niveaux sans raison, ça c'est carré. Faut que je fasse gaffe qu'il meure pas non plus. Hein. De dégâts de chute, parce que moi j'ai bien l'habitude de merde de faire des sauts de fou furieux. En même temps, je suis tellement rapide que c'est problématique aussi. Hein. Bon, je pense, je sais pas si on aura le temps dans cet épisode de se tabasser un tapas de girin. Hein. Je pense qu'on va rentrer puis je vais arrêter l'épisode là. Hein. Et merde. Bon. Ça va être problématique. Ça va être problématique, je sais pas combien j'ai de vie avec lui. Oh mais je l'ai one shot. Ah, il a 700 de vie, en vrai 700 de vie c'est pas mal. Ce que je vais demander à mon je vais essayer de le choper avec mon aigle, ça marche tant mieux, sinon je vais juste demander à l'aigle qui nous suive que je fasse gaffe aux dégâts de chute. Putain, voilà ça les gars, c'est exactement ce que je vous disais, qu'ils peuvent nous sauter dessus ces enculés. Ces sales bêtes, ils se planquent dans les arbres que vous voyez là-haut, ils nous sautent dessus. Je savais pas qu'ils pouvaient te choper sur des dinos terrestres. Je savais que les dinos volants, ils pouvaient te le faire, mais je savais pas pour les dinos terrestres par contre. Ah bah, du coup, c'est une dinguerie de plus à apprendre ça. Mais je viens de sauter sur un ours là. C'est quoi cette dinguerie, frère? Mais tu sais quoi, attends. Ça là. Il est où? Attends, toi, il faut que. Je dois te nourrir comment, toi? Allez.
Voilà, dors mon gars. Hop, file-moi un peu de baie, toi. Et hop. On va le prendre toi aussi là. Bah, du coup, le problème c'est que je vais pas pouvoir rentrer avec l'aigle. On va monter sur toi, mon collègue. On va attendre que lui stab. Bah, vas-y. Hein. Oh bah, vas-y, frère. C'est exactement ce que je cherchais. Oh putain, c'est un peu chiant. Ramène ta fraise, toi. Je vais vous ramener tous les trois chez moi. Oh, notre Bigfoot. Mais attendez, mais je vais me tabasser le Bigfoot aussi, en fait. Arrête de bouger, wesh. Wesh. Non, non, là, tu vas... Voilà, toi, tu me fais un peu chier, là. Et voilà, frère. Pfff. Attendez, parce que... Hop. Ramène ça. On va retourner au Bigfoot, là. Il est où, le Bigfoot? Oh, mais moi, je vous jure, je ramène tout le monde. Merde, il faut que je fasse gaffe, faut pas qu'il me voie. Et voilà, moi je déconne pas, moi. Moi j'en chope tout le monde, moi. Hop, suis-moi, toi. Toi, allez, hop, suis-moi, mon gars. Vous allez me suivre tous, là. Il est où celui-là avec les cornes, là? Parce que lui, il était vraiment beau. Bon, lui, il est là. Ah, mais il est là. Bon, bah, on attend, hein. Vas-y, go, attendre. Ah, mais attendez, mais pourquoi je veux attendre? Je suis un connard, moi. Hop. Ah, mais lui, il avait même pas à bouffer. Je suis un peu con, hein. Voilà. J'ai pas envie d'attendre, moi, les gars. Hein. Il est où, l'autre connard, là? Il est là. Oh, la dinguerie. Mais la dinguerie, mais il est fou, ce type. Hop. Allez là, on se dépêche les gars. Ok. Bon allez hop. Regardez avec tout ce que j'ai là. Pourquoi? Mais attends, il m'en manque un là. Mais oui, il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait ce fou? Oh alors attendez, ça la dinguerie les gars. Il est en train de se fight? Non. Oh il est beau, dommage. Oh, il est inconscient. Oh mon gars. Oh, il l'a défoncé. Bon bah dommage hein. En plus lui il était proche de moi lui, tu vois. Mais je sais pas exactement où on est. Mais il fait quoi ce fou là? Mais il est débile. Suis-moi toi. Bah ils vont un peu vite par contre hein. Ça c'est une dinguerie. Allez, suivez-moi tous les gars là. On y va. Oh mais il y en a un autre là. Putain, ça casse les couilles en vrai. Parce que j'aimerais bien les tam, mais le problème c'est que les gars, je vais complètement oublier où ils sont. Hein. Ça sert à rien de faire style. Voilà. Bon, le problème c'est... Oh la mandale que je lui ai mis au pot. Allez, on traque. Comment ça? Ouais, tuez-moi tout ça là. On déconne pas avec nous là. On est la team. Par contre, tu pouvais fermer ta gueule. Non, il faut pas déconner là, il faut fermer sa gueule. Bon alors hop. Bon les gars, vous êtes prêts? Vous avez intérêt à me suivre parce que là, ça va être un peu compliqué. Hein. Bon, il y en a un, il a l'air de jouer au fou. Ouais, dégage de là, toi. Oh, on avance en mode beau gosse. Regardez-le, lui. Wesh! Je me suis jeté! Voilà. On déconne pas dans la team ici. Ok, d'accord. Mon clic droit, c'est je peux me jeter. Ah, mais d'accord, mais je suis lourd. Mais pourquoi je suis lourd? Je suis lourd. J'étais pas si lourd que ça tout à l'heure.
Bon, allez, on y va la team. Attendez, parce que là il y a une animation, je pouvais pas avancer. Bon, de toute façon, ils vont tous assez vite, ils pourront me. Ah, la team, vous faites quoi la team? Il faut se protéger entre nous, wesh! J'aimerais bien éviter d'avoir des. D'avoir des pertes. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas les tabasser là. Eh non, c'est plusieurs là, non? Ouais, c'est plusieurs là. Que je fasse gaffe parce que comme je l'ai dit, ils sont totalement cons. Voilà, je me disais il y en avait un qui manquait. Allez, on y va, on y va, on y va. Ok, il y a trois machins, un Bigfoot. C'est carré. Ah, vous me suivez la racaille, hein? Yeah. Allez. Et du coup là on va arriver par derrière en fait. Ouais, on arrive direct par ici hein. Bon, en soit attendez en descendant par là normalement bah c'est l'enclos quoi. Hop. Ils prennent pas de dégâts de chute quand il y a personne sur eux. C'est pour ça que j'ai sauté hein, et que moi je suis sorti. Eh bien voilà, regardez-moi ça là. Et hop là. Et vous savez quoi? Lui, je vais le garder en tant que garde du corps. Juste devant chez moi. Et hop là. On va le laisser ici. Couillasse, hein. Bon bah écoutez les BG, on va arrêter l'épisode là pour aujourd'hui hein. Voilà. Bon, de base on était là pour un tapajira. On n'a pas eu de tapajira. C'est une dinguerie. C'est terrifiant. Et sur ce les BG, comme je vous dis, si cet épisode vous a plu, on met un maximum de pouces bleus, on s'abonne et on se retrouve très prochainement pour la suite du Let's Play sur Ark. Allez, bisous.